있죠. 'Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame le témoin, je voudrais maintenant parler du contrôle ou de la surveillance sur le chantier du barrage du 1er janvier. Et par la suite, nous parlerons des punitions ainsi que des arrestations et de ce qui s'est passé à Wat Barai Chondek. Tout d'abord, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait des miliciens ou des soldats qui surveillaient, notamment dans les forêts, lorsque les ouvriers allaient faire leurs besoins. Est-ce qu'il y avait de nombreux miliciens ou soldats sur place? Et savez-vous d'où ils venaient? Est-ce que c'était de la commune, du district, du secteur ou de la zone? មានច្រើនដែរទេយោធាហើយនឹងឆ្លោបនោះមានច្រើនយោធានឹងយោធាស្រុកគេនៅយាមគេចាត់ចែងឲ្យមកយាមតាមព្រៃតាមអីមើលច្រឡាត់កុំឲ្យច្រឡាត់ចូលព្រៃអីសម្រាកខុសច្បាប់ខុសអីចឹងណាគេនៅយាមដេញកុំឲ្យចូលបត់ដៃបត់ជើងនៅសង្ឃឹមយូរយូរពេក Est-ce qu'ils étaient armés? Ta puk ke tang oh nom mien avot nang dai da rite? Khom khoy mien. Ke yiem nong prey nang mien ka phleung ke spiey. Je crois que vous avez dit tout à l'heure que lorsque vous arrêtiez de travailler pendant un court instant, ces gens vous disaient de reprendre le travail. Est-ce que c'était également leur rôle de surveiller l'ensemble des travailleurs de votre groupe? Est-ce que sur le chantier, vous avez entendu parler de la notion d'ennemi à la révolution? Par exemple, lors de réunions, ou bien d'ennemis infiltrés? Est-ce que les gens qui appartenaient au peuple nouveau ou bien les Cham étaient-ils soumis à une surveillance particulière? ប្រជាជនថ្មីគេតាមបើយើងខ្ជិលធ្វើការគេយកទៅវាយចោលប្រយគេកសាងយើងមិនព្រមស្ដាប់គេគេយកទៅវាយចោលហើយ
Je vais essayer de définir avec vous la notion d'ennemi, telle que vous l'avez comprise à l'époque, et ce qu'on vous disait. Est-ce que celui qui, le travailleur qui se plaignait ouvertement des conditions de travail ou de vie sur place, était-il considéré comme un ennemi? ឬក៏យ៉ាងណានៅពេលដែលខ្លួនត្អូញត្អែថាធ្វើការវិបាកអីហ្នឹងគេអ្នកនោះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាខ្មាំងឬក៏យ៉ាងណាចាអ្នកដែលត្អូញត្អែខ្លាំងហ្នឹងគេចាត់ជាទៅជាខ្មាំងហើយយើងអត់ទៅធ្វើការរាល់ថ្ងៃនៅនឹងរោងរាល់ថ្ងៃទៅគេបដោះយើងចេញគេបញ្ជូនយើងគេដឹងគេបញ្ជូនទៅខាងណាហើយបញ្ជូនចេញនៅទៅបើមិនជាយើងនៅក្នុងហ្នឹងទៅមានអ្នកធ្វើតម្រាប់តាមឡើយគេដកខ្លួនយើងចេញet celui qui refusait de se soumettre à cette discipline ក៏រូបពីណៃតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះពួកគាត់ដែរយើងមិនគោរពវិន័យគេដកខ្លួនយើងចេញគេយកយើងទៅរៀនសូត្រអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែមិនដឹងរៀនសូត្រអីណាទេបាត់ខ្លួនទៅបដោយEst-ce que celui qui cassait à une ou plusieurs reprises le matériel de la collectivité, comme par exemple des coupes ou des paniers, est-ce que cette personne faisait partie également des ennemis? Thank you, Mr. President. This is the second example in a row that prosecution is asking questions in the forms of a hypothetical. What would happen if he or she didn't obey? What would happen if whatever? This is asking for speculation, proper way to question the witness is to ask whether such a thing happened, and if yes,រឿងបែបហ្នឹងវាបានកើតឡើងទៅលើអ្នកណាទៅពេលណាហើយដោយសារអ្វីដូច្នេះមិនគួរណាសួរដោយទុកឱកាសឬក៏ថាច្រកណាមួយឲ្យសាកសីឆ្លើយដោយស្មានបែបនឹងនោះទេដូច្នេះខ្ញុំសូមឲ្យតំណាងសាប្រាជ្ញាសួរទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ជាក់លាក់តែម្ដងOui, c'est bien mon intention, monsieur le président. Bah, nyom men chetana suu chak lae an chang hai luk thien. Avez-vous pu observer ta luk srei ou vous attendiez sanket khoeng ru ko ke thlop nyei prab luk luk srei tha neak dae bam phlaing samphara hiep trou ban ke chat tuk tha chea khmang dae ru te. Nyom at dae khoeng keចាត់ទុកជាខ្មាំងផងខ្ញុំឃើញតែប្រធានកងគេយកមកឲ្យថ្មីទៀតគេយកមកឲ្យយើងរែកដីកាប់ដីថ្មីទៀតដែលរបស់ខូចខាតណាគេអត់ដែរថាយើងខ្មាំងយើងអីធ្វើខូចអីគេអត់ដែរថាផងJust an observation. Maybe it's there's something in the translation, but I hear in English who would break. Now that is an hypothetical situation. I'm not sure what the original French word is that is being used. You can sign whatever you like, Judge Vance, but this is a crucial difference between asking for speculation and asking for a complete reason. ខុសគ្នាដាច់ស្រះតែម្ដងរវាងការសួរព្រឹត្តិការណ៍ជាក់លាក់និងការសួរទុកឱកាសឲ្យសាកសីឆ្លើយដោយស្មានស្មាននោះ Monsieur le Président, je ne fais que demander des questions très concrètes. Si le témoin n'a pas vu ce genre d'événement, qu'elle le dise, elle est tout à fait libre. Il n'y avait pas de conditionnel dans la dernière question que j'ai posée en tout cas. Je passe à une autre question. Est-ce qu'il y a eu des cas de gens qui se sont enfuis du chantier ou qui se sont cachés pour ne pas avoir à travailler?ចូលទៅពួនកន្លែងណាមួយដើម្បីកិច្ចវេពីធ្វើការដែរឬទេអ្នកដែលកិច្ចវេពីធ្វើការគេ
đánh màu thơ ca vĩnh cái ắt ao dương tới kịch về hay nẹ buồn mình thơ ca chlộp cái đã đánh cái ao dương mà thơ ca vĩnh Est-ce que vous-même vous avez songé un moment à vous enfuir de ce chantier? Et sinon, pourquoi? Kì còn chân dương còn chân tưng ọc khí nha mẹ ta dương mà nẹ nà Vous avez dit dans votre procès-verbal d'audition D166-3-8. Alors, en Khmer, c'était la page 002-3-9-9-2-9, jusque 3-0, je pense. En anglais, 002-4-4-1-6-3. Et en français, 002-8-3-9-0-8. Vous avez dit ceci, si quelqu'un ne pouvait pas réaliser le plan prescrit, il serait puni. Donc, je lis la citation, puis je vais répéter la lire en français. Si quelqu'un ne pouvait pas réaliser le plan prescrit, il serait puni et torturé. Donc, lire en français, c'est 002-8-3-9-0-8, sans doute jusqu'à 09. Donc, vous avez parlé de punition et de torture. Quelles étaient les différentes sanctions ou punitions qui étaient appliquées quand quelqu'un ne réalisait pas le plan prescrit? Est-ce que vous savez quelles étaient les punitions? Khơi cái đại toàn cam đại nè đây mình từ thử cào cái du được thật cái này nó ấm dương hay dương mình sắp dương nơi thật chưa mình thử cào chưa chúng ô dương trăm ta vô là bò phô cái đôi thật cái bà đại mình tám cái bà cô là ở từ sàn là sọc vô cái vô tới này nó ấm Est-ce qu'il vous est arrivé de voir qu'une personne qui n'avait pas terminé son travail devait poursuivre pendant le repas ou était privé de repas? Concernant les punitions plus sévères, vous avez parlé de détention temporaire dans une cage en bois située dans une forêt, autour du site de construction. Et avant de lire l'extrait, peut-être pourriez-vous nous dire si vous confirmez avoir vu cela et nous dire ce que vous avez vu exactement dans cette forêt. Je suis venu à la maison.
cái bà cô ở thợ săn sóc cái giờ ta đã đang trồng tới cái giờ tới nọ tục ngày vì tận nục tới đó này tới cái cò sáng đang cái giờ tới nà bằng bây giờ cái sập chào cùng đang ai cùng đang nhưng mà đang đài à bây giờ nắng á bàn tay bây giờ khi ông ta bật chướng khi ông khơi nơi không prey nên cái đạn chmu tri nên nơi không trồng chờ và hai và vài pi mai tại nơi không prey bạn ta cái vô tay nà nhưng mà đằng thì sàn sọc nó sàn sọc sọc á tại ắt khơi tôi sẽ sang ngày Est-ce que vous étiez entré par hasard dans cette forêt? À hiền vậy thì nom khi đã tranh màu cái lạnh cả than bình màu Est-ce que donc c'était une forêt ou un endroit qui était secret d'après ce que vous avez pu constater ou bien au contraire tout le monde était tout courant de l'existence de ces cages rứ có tam pật tấu nẻ ná có đăng tha miên trung nưng kê đạ nơ khnông prai chăng đai samrab nẻ jeung đai jeung khiel che oh jeung at tơ ka ơ kê kê samrab kê đạ chăng tới nai nom jeung bơ jeung tam kê kê ơ jeung mơ rách đai vĩnh bơ jeung tam kê đăng kê tới na sàn sóc cái bị chèn tập bạt dans votre procès verbal d'audition c'est d'ailleurs toujours aux mêmes pages que juste avant vous avez dit il y avait beaucoup de cages il y en existait une par village installée dans les forêts Vous avez dit également la personne arrêtée y était enfermée deux jours ou plus. Cela dépendamment de sa rééducation. Elle y était incarcérée le jour et la nuit, mais une fois rééduquée, elle était libérée. Elle travaillait et mangeait comme les autres. Durant sa détention dans la cage, elle faisait l'objet de tests psychologiques. Par lequel, si elle faisait preuve de bonne rééducation, elle serait relâchée. Comment avez-vous appris qu'il y en avait plusieurs et qu'il y en avait une par village? ខ្ញុំឃើញគេឃើញគេមានត្រង់អញ្ចឹងបន្សន់សុកស្រុកគេនៅដូចថាសង្កាត់មួយមួយអញ្ចឹងគេមានសន្តិសុខយាមយាមច្រឡាត់ហ្នឹងà la fin de la même page en français 002839 08 en khmer 002339 30 et en anglais 002431 63. Vous avez dit avoir vu Niri dans une cage. Qui était cette Niri Lip et qu'avait-elle fait pour mériter une punition Est-ce que vous avez pu apprendre?
khiom ban dang kwat ot te thoe ka da ot te thoe ka te ke nai nom te kwat nau te mon te ke yo kwat te dak trong te nai nom da nai nom te kwat prom te ke pachanh mo vinh ta ke ao kwat ma thoe ka reik dai vinh thomda do jeung chang houp chok ai thomda chang na pa na nang kalai do jeung alai tha sala kai prae ke yo te nai nom te tam ke te tae ne ri liep na alai kwat slap hai Ayu mà sao co nhom hà chiêng quật khăng chặt ở đây miền bắc bồn tiệt lên năm cái đào mọc J'en viens à la pagode de Barai-chan-dek. Est-ce que vous pourriez nous dire si cette pagode se trouvait près de votre village de Tro, dans la commune de Barai? Tại hạ bỏ lục sấy nâu phùm trọng mên rửa tế. Chà, vọt bà rai dọn đáy nâng nông phùm trọng nhóm nâng. Cả lành nâng, cả lành kê xâm lạm nữ. Est-ce que... Vous deviez passer à proximité de cette pagode lorsque vous rentriez chez vous, au village, tous les 10 du mois, lorsque vous aviez une journée où vous pourriez rentrer chez vous. Vous avez une journée où vous pourriez rentrer chez vous. Rõ đón ách ấy thì tại ngày nâng cái chạm mê cổ cái xâm lạp mà nâng nhóm ách đắng á. Đó bê nhóm đà mà đó là cái lãnh phơi cho tâm mọt sẵn. Tới dô thịa sọc bì nẹ chanh mọc chung nhóm. Mọc chung nhóm tới. Đó bê xóa tới. Và thằng ngày cổ cũng mọc cái lãnh nâng tiết á. Tại mọc cái lãnh nâng tiết bây giờ cái xâm lạp cháu. Nhóm mọc cái phê nhỏ đầy nhỏ chương. Có nhóm cắt tâm mọt sẵn tới ách miên hiền mà xìa vọt nâng tiết tế. Ngày cơ ta lưu cái chạm mấy cơ khi bắt hiền màu thì ta cái chạm mấy cơ cái xâm lạp mà nơi hơi vọt bà rai đài nhá. Est-ce que la pagode était visible depuis le site de construction du barrage sur la rivière Chinique? Donc de là où vous travaillez, est-ce que vous voyez la pagode de loin ou de près? Thank you, Mr. President. I have an objection in relation to questions being asked in respect of the Wat Barai Chondek Pagoda. His first objection is that this particular pagoda, whether it's functioning potentially as security site, is not part of this trial, not part of this segment. Few questions, of course, can be asked, but not any questions as to functioning, etc., of this particular security center. And secondly, I would like to refer the chamber to document D166/186. That is a it's English I see I don't have the French ERN, I apologize. But this is a site identification report signed by Philip Kane, investigator of the OCIJ. And on the third page of his report, in the chapter called Conclusion,
ERN 00422225 and Khmer 00347595. He says the following: testimonies of the witnesses, Men Lay, former detainee, and Yun Dot, a former prison guard, provide adequate evidence that Wat Barai Chandek was used as a prison torture and execution site. Then the witnesses cannot, however, provide a direct link between the security center and the 1st January dam, as asserted in the introductory submissions. Further investigation may be necessary in order to establish this link. I don't know if it has happened, but we are dealing today with the 1st January dam, and the security center that the witness is referring to the prosecution is not linked. Monsieur le Président, je vais répondre. C'est une objection très longue qui me coûte plusieurs minutes d'interrogatoire. Elle n'est pas justifiée, mais alors pas du tout. C'est basé d'une part sur le fait que la conclusion de ce rapport d'identification du site ne pourrait pas permettre à ce moment-là de faire un lien avec le site de construction du barrage le 1er janvier. C'était à l'époque une enquête en cours. Si mon confrère avait lu l'ordonnance de clôture établie par les juges d'instruction au terme de l'enquête, ce qui comprend notamment ces éléments d'enquête-là, il aurait compris que Wat Barai Chandek était un centre de sécurité où des gens qui travaillaient sur le site du barrage du 1er janvier ou du 6 janvier étaient exécutés. Ce n'était pas uniquement pour cela que ce centre existait, mais des gens du site du barrage du 1er janvier ont été exécutés sur place selon les juges d'instruction et selon l'ordonnance de clôture. Dès lors, dans cette mesure, il est absolument clair que des questions peuvent être posées sur cette pagode, ce centre de sécurité, dans la mesure où il y a justement ce lien avec le site du barrage. Et je demande l'autorisation à la Chambre de pouvoir continuer à poser mes questions. Merci. Je voulais simplement savoir si, depuis votre site de travail au barrage du 1er janvier, vous pouviez voir la pagode de Barai Chandek. Alors, je vais lire un extrait de votre procès-verbal d'audition et je vais vous poser des questions sur cet extrait. Il se trouve en Khmer à la page 00239929.
jusque 3-0. En anglais, 0-0-2-4-4-1-6-3. Et en français, 0-0-2-8-3-9-0-8. Voilà, vous avez dit, en cas d'acharnement, la personne serait emmenée au centre de sécurité situé à la pagode de Barai Chondek et exécutée par la suite. Tous ceux qui étaient emmenés à la pagode de Barai Chondek seraient carrément exécutés. Ont été emmenés au centre de sécurité de la pagode de Barai Chondek environ 4 ou 5 personnes faisant partie de mon groupe, dont le nommé Tri, un peuple de base. Les autres, je ne me rappelle pas leur nom, car ils étaient des peuples nouveaux. Le nommé Tri a protesté contre l'encart à propos de la nourriture insuffisante et s'était entêté à travailler, c'est une mauvaise traduction. En anglais, il est dit « and refused to perform labor », donc « et a refusé de travailler plutôt ». Par conséquent, l'encart l'a arrêté et emmené. Alors, je m'arrête ici pour le moment. Vous avez dit qu'il y avait 4 ou 5 personnes de votre groupe mobile qui avaient été emmenées à ce centre de sécurité, dont un peuple de base et 3 ou 4 personnes du peuple nouveau. Alors, pour ce qui concerne Tri, vous avez donné les raisons de son arrestation. Il avait protesté contre la quantité de nourriture et avait refusé de travailler. Est-ce que dans votre groupe, il y a eu d'autres personnes du peuple de base qui ont osé protester concernant la nourriture ou qui ont arrêté de travailler comme Tri? Je suis un peuple de Tri d'arrêté. Admiente. Concernant les 3 ou 4 autres personnes, Est-ce que vous savez si concernant les peuples nouveaux, on recherchait sur le site du barrage du 1er janvier ceux qui avaient joué un rôle sous le régime de l'ONOL. Est-ce que vous avez cette information? Alors, vous avez dit plus loin, toujours dans votre procès-verbal d'audition, un autre passage qui concerne Bat Barai Chondek, qui se situe à la page en primaire 0023-9932, en anglais 0024-4165, en français 0023-9-1-0-1-1. Vous avez parlé justement du fait que vous étiez passé à côté de la pagode. Vous aviez entendu les haut-parleurs. Et voilà ce que vous avez rajouté. Je cite. Je savais qu'on exécutait les gens parce que je les voyais y être transportés en charrette à eux. Et je les voyais plusieurs fois. On les transportait en camion la journée et en charrette à eux la nuit.
Ceux qui ont été transportés à ce centre de sécurité étaient majoritairement des peuples nouveaux et des Cham. Ces arrestations de gens se faisaient pendant que je travaillais au chantier de construction du barrage du 1er janvier. Et ceux qui ont été arrêtés et envoyés au centre de sécurité étaient des villageois et des gens faisant partie des unités mobiles. Yes, I am on my feet indeed. Mr. President, you have made a reasoned decision as to the scope of this trial. You have selected three security centers, Krang Tachan, S21, and the third one which name I now forget. We're not dealing with this security center. Prosecution is forcing us now to ask this witness all kinds of questions about the security center of which he doesn't know anything. Why not urge the prosecution to limit itself and just simply ask questions about what happened at the 1st January then, without also trying to squeeze this into the debate and trial? It's pointless. It is a waste of time. It is going directly outside the scope of your decision that we are dealing with three security centers. So, again, my objection, let's not go there. Monsieur le Président, avec votre autorisation. Oui, pour être plus précise et compléter l'objection de mon confrère, comme la dernière fois lorsque des questions qui ne sont pas prévues à votre décision de disjonction, je rappelle votre décision de disjonction et précisément l'annexe E301-9-11. ERN en français 00982093, ERN en anglais 00981688, ERN en Khmer 00981694. Sur les faits relatifs aux crimes allégués, voilà ce que vous avez indiqué sur les centres de sécurité. Voilà les centres de sécurité qui sont listés dans votre annexe à votre décision de disjonction. Petit 6, centre de sécurité de S21. Petit 7, centre de sécurité de Krang Tachan. Petit 8, centre de sécurité Hong Kong Seng. Petit 9, centre de sécurité Phnom Krahol. Voilà. Il n'y a pas de centre de sécurité de la pagode que que M. le procureur vient d'évoquer. Et si on nous indique que des personnes sont parties dans le cadre de la réponse du témoin à tel endroit, on ne va pas couper la réponse du témoin. Mais maintenant, lorsqu'on veut poser des questions plus avant sur ce centre de sécurité, sur le mode de fonctionnement, alors qu'il est bien précisé que c'est alors qu'elle quittait le barrage du 1er janvier, qu'elle retournait dans son village, qu'elle a pu constater ces faits, nous ne sommes plus sur le site du 1er janvier. Et là, à un moment, il ne faut pas qu'on retombe dans les travers du premier procès où continuellement nous évoquons des faits qui ne sont pas dans le champ de la disjonction. Donc à un moment, s'il y a une disjonction, il y a une décision qui est prise sur lesquelles nous travaillons, nous, en tant que défense, sur des points précis, il faut qu'on puisse s'y tenir, sinon nous n'avons absolument aucune sécurité juridique. Si vous aviez voulu inclure ce centre de sécurité, j'imagine que vous n'auriez pas eu de mal à l'intégrer dans la liste des centres de sécurité que je viens de citer. Vous ne l'avez pas fait. Vous avez simplement indiqué site de travail du barrage du 1er janvier, c'est-à-dire site de travail et non pas centre de sécurité. Si M. le procureur fait de façon artificielle un lien entre le barrage du 1er janvier et un centre de sécurité qui ne fait pas partie
de ce que vous avez listé dans la décision de disjonction, il y a clairement une violation du champ du procès. Nous ne pouvons pas mener un procès pénal dans ces conditions et nous ne pouvons pas défendre utilement nos clients dans ces conditions. Donc, je vous demande simplement d'appliquer votre décision de disjonction et de dire à monsieur le coprocureur de passer à une autre ligne de questionnement. Monsieur le Président, si je peux répondre, il ne s'agit pas ni d'établir un lien de façon artificielle. Cela fait partie de l'ordonnance de clôture relisée pour les paragraphes qui sont relatifs au site du barrage du 1er janvier. Il parle de Barai Chondek comme étant l'un des endroits où les gens se placent. Aussi, était emmené pour être exécuté. Ce n'est pas un lien artificiel, c'est un lien, c'est une ordonnance de clôture qui le dit et qui saisit la chambre de première instance de ces faits criminels. Si cela ne faisait pas partie de ce segment, eh bien la chambre ne remplirait pas ses fonctions. Elle a été saisie de ces faits, elle doit statuer sur ces faits. Et j'ai insisté tout à l'heure pour dire que c'est dans la mesure où il y a un lien effectivement qui est loin d'être artificiel avec le site du barrage du 1er janvier. On se retrouve en quelque sorte dans la même situation que face au centre de sécurité de Angroka. Cela fait toujours partie du même ensemble. On voudrait priver l'accusation de la possibilité de prouver le meurtre ou l'extermination qui a eu lieu sur ces sites de barrage. Je pense que c'est tout à fait inapproprié de prendre un quart d'heure pour faire cette objection et nous empêcher de poser les questions qui s'imposent et qui sont toutes en lien avec le site du barrage et les victimes dont le témoin a déjà parlé. Je vous remercie. Monsieur le Président, simplement pour répondre, là, je voudrais quand même qu'on fasse du droit un petit peu. J'entends bien qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été dites dans l'ordonnance de clôture, mais depuis, il y a eu une décision de disjonction. Donc, on ne dit pas que certaines choses ne sont pas dans l'ordonnance de clôture. Notre question est de savoir est-ce qu'on applique, oui ou non, les décisions de la Chambre. C'est ça la question. បាទអរគុណមកគោលភារៈជូនទៅលោកចក្រមសំមកឡាវែងដើម្បីសម្រេចលើសេចក្តីជំទាស់របស់មេធាវីការពារក្តីចំពោះគម្រោងនៃការតាំងសំណួររបស់ដំណាងសហប្រញ្ញាអន្តរជាតិចុងក្រោយបាទមិញនេះសូមជញ្ជួយលោកចក្រមសំមកឡាវែង
Oui, merci Monsieur le Président. Donc l'objection soulevée par les équipes de défense est rejetée. La Chambre note que dans l'annexe de l'ordonnance de disjonction, s'agissant du barrage du 1er janvier, il y a un certain nombre de paragraphes qui sont mentionnés, y compris le paragraphe 367 de l'ordonnance de clôture, lequel fait expressément référence à ce site, en indiquant que certains témoins ont vu des arrestations, que certains témoins ont entendu que des personnes qui travaillaient sur le site du 1er janvier ont été envoyées sur ce site. Donc la Chambre considère que ces questions sont pertinentes et doivent être posées et que le témoin doit y répondre. Compte tenu du fait que les procureurs ont vu leur temps largement amputé, la Chambre est d'avis qu'il y a lieu de leur accorder 15 minutes supplémentaires pour leur permettre de poser des questions supplémentaires. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Juge. Donc, Madame le Témoin, je vais essayer de reprendre le fil de mes questions. J'avais cité un passage où vous aviez dit avoir vu des gens être emmenés en camion la journée et en charrette à Bé la nuit. C'était essentiellement des gens du peuple nouveau et des Cham qui étaient emmenés. Comment avez-vous pu apprendre tous ces détails concernant Wat Barai Chambek? À qui en avez-vous parlé pour apprendre ce qui s'est passé et notamment que les gens étaient exécutés? Prap tha mien ke samlap manuh nou Wat Barai Chambek ni che daem ni dang dai robiep na nâng đào tam bờ thiên phùng ấy thì nhom xu cái tới cái thác cái vô tới đặng bọt bè nhon đầy như tới vô tới miền trần nhom là thời trần lạt nhom khởi từ kênh chu lan chẳng tới dục là ngay tè cô crực châu lá ngày như cái vô đặng lan từ vô tới chân Comment s'appelait ce chef de village et est-ce qu'il avait un rapport avec cette pagode? Est-ce qu'il était en charge de cette pagode? Il y a un charge de cette pagode. Tôi không mặt đại khử. Tại còn khi ông xua bê nhóm đỏ sẽ nạp giúp nhóm xua bê thiên phùm ông. Cái dùng mà nâng tên nào có trơn mấy. Cái dô tất cả lây nữa anh. Thành chân. Tại còn thà cái dô tất cả lập cháu lấy quả thà. Còn thà cái dô tất cả lây nữa. Est-ce que vous avez parlé à ce chef du village avant de travailler au site du barrage du 1er janvier ou bien c'était pendant que vous y travailliez? Bởi thật tên này ạc thơ ca ấy, cái bí chun ôi ta đọ xa nạp sở phê ăn sở ấy, ta ạc mình tên này. Là hốt. Donc est-ce que cette pagode Wat Barai Chambek était en fonction comme centre de sécurité jusqu'au moment où vous étiez
affectés au travail de construction du barrage du 6 janvier. J'ai quelques questions concernant les Cham. Vous avez dit dans votre procès-verbal d'audition, c'est à la page 002399931 en Khmer, en anglais 002441665 et en français 002839310. Vous avez dit que vous avez vu des Cham. Vous avez dit ceci. Je cite. Dans mon groupe, il n'y avait pas de Cham, mais je les voyais dans d'autres groupes. Ces Cham vivaient dans les mêmes conditions que les Khmer. Il était interdit à eux, tout comme aux Khmer, de pratiquer la religion. Si quelqu'un était vu en train de pratiquer la religion islamique, il serait tué. Fin citation. Tout à l'heure, vous avez dit que la majorité des gens qui étaient emmenés à Wat Barang Chandek étaient des peuples nouveaux ou des Cham. À part l'interdiction de pratiquer leur religion, est-ce que les Cham avaient le droit de s'exprimer dans leur langue? Sur le site du barrage, est-ce qu'ils avaient le droit de porter des vêtements distinctifs, des vêtements différents? Est-ce que les femmes pouvaient porter des foulards? Est-ce qu'il est arrivé pendant votre travail au barrage du 1er janvier, du 6 janvier, que vous ayez l'occasion de manger du porc? Lorsque le porc était servi, est-ce que les Cham devaient en manger? Est-ce qu'ils avaient le choix de ne pas en manger? Je voudrais en venir maintenant à ce qui s'est passé dans votre commune de Baleng, dans votre village et au-delà, dans le district de Baraï. Est-ce que vous avez entendu durant la période où vous avez vécu sur place qu'il y a eu des purges parmi les cadres
de votre village, de votre commune ou de votre district. ខ្ញុំធ្លាប់ឮដែរគេថាកម្មអស្អីទេណែស្អីស្អីអាកាសេបេជាប់ល្មិចទីគេយកទៅវាយចោលកម្មឲ្យបាលខ្ញុំធ្លាប់ដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសួរគេថាល្មិចបានគេយកកម្មអស្អីបាទៅស្លាប់ចោលអញ្ចឹងគេថាជាប់ខ្សែស៊ីអាបានគេយកទៅស្លាប់ចោលដឹងខ្សែស៊ីអាល្មិចផងខ្ញុំមិនដឹងផងហើយយកទៅគួយទៀតតាំងខ្ញុំសួរគេថាយកបិបាគេយកទៅស្លាប់ចោលខ្សែកាសេបេដឹងស្អីកាសេបេរបស់ខ្ញុំស្គាល់ដែរហ្នឹង tại thơ ca tới chè xu khnia tới lorsque vous étiez sur le site du barrage est-ce que vous avez participé à des réunions où on a accusé certains cadres de la zone nord d'être des traîtres ខ្ញុំអត់ដែរលឺផងប៉ិនខ្ញុំដឹងថាបាត់ខ្លួនខ្ញុំសួរគេគេថាកម្មាភិបាលហ្នឹងចូលខ្សែស៊ីអាបានគេយកទៅសម្លាប់ចោលខ្ញុំដឹងអញ្ចឹងតែមិនដឹងខ្សែស៊ីអាហ្នឹងល្មិចទេខ្ញុំអត់ដឹងផងប៉ិនយកកម្មាភិបាលហ្នឹងមិនយកប្រជាជនទេប្រជាជនគេសម្លាប់ផ្សេង Est-ce que vous avez vu ou entendu que des cadres d'autres zones seraient venus pour remplacer ceux qui avaient été arrêtés ou exécutés? ខ្ញុំឃើញគេយកកម្មាភិបាលនៅក្នុងយើងហ្នឹងខ្ញុំឃើញគេបញ្ចូលអីភូមិភាគបូពីមកកដាប់នៅកន្លែងហ្នឹងទៀតកដាប់ឃុំកដាប់អីហ្នឹងទៀតណាអ្នកផ្សេងឃើញអ្នកផ្សេងផ្សេងមកកាលហ្នឹងពួកបូពីនិយាយដើរណាស់ដើរមក ខ្ញុំប្រជាជនចាស់ខ្ញុំចេះតែអាចសួរប្រធានភូមិអីបាន Est-ce que vous avez vu des gens de la zone sud-ouest venir également sur place pour jouer un rôle dans l'encadrement du barrage du 1er janvier ou du 6 janvier? ដល់គេជំរុះកម្មាភិបាលឃើញពួកនារីដីមកអានឹងក្រយពីទនុមួយមករាទេ Est-ce qu'au niveau du district de Barai, vous avez connu une personne qui s'appelait Ta Poch? Je prononce mal. Alors, T-A-P-A-U-C-H. Ta Poch. Look, say, tlop, lui, chmo, kwa, nang, de? Khyom, tlop, lui, dae. Ben, do, jik, ta Poch, nang, chavai, srop, an. Chavai, srop, barai, dang. Khyom, do, jing, sapek, sapel, dae, nang. Khyom, chavai, srop, plah, la, ka, kou. Une fois que les
cadres de la zone nord où certains d'entre eux étaient remplacés, est-ce qu'il y a eu des changements au niveau de la discipline avec les cadres venant d'autres zones, notamment de la zone sud-ouest? Comment était la discipline sous les cadres de la zone sud-ouest par rapport aux cadres précédents? Bien, je vais terminer peut-être la journée en vous posant quelques questions sur les libertés et les droits dont vous jouissiez lorsque vous travaillez au barrage du 1er janvier et du 6 janvier. Est-ce que sur le chantier, vous étiez libre de choisir le travail qui vous plaisait le plus? Est-ce que sur le chantier, vous étiez bien payé pour le travail que vous étiez en train d'accomplir? Est-ce que vous receviez un salaire important? Est-ce que vous aviez le droit sur le chantier de tenir des réunions entre vous ou de passer une soirée entre amis à bavarder librement? Dernière question peut-être pour aujourd'hui. Est-ce que sur le chantier, les jeunes gens pouvaient flirter avec la personne de leur choix? Vous étiez jeune à l'époque, est-ce que vous aviez l'occasion de fréquenter de jeunes hommes à l'époque? Tại dương xa lạnh khi nha xa xoan nha cái ta dương bà bò xa là thoa cái vô dương ta cặp đây ở ngay ta bì nè. Ta bột ta nà thông thông cái vô ta đạt ta nâng anh. Cặp ai tô lên lia ở. Bài tơ bà dương to mò to có cái vô dương ta xâm lập chào bà rào dương cái ta dương bà bò xa là thoa. អរគុណបាទតាមលាការនៅថ្ងៃនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយហើយមានប្រកាសផ្អាកកិច្ចដំណើរការសកម្មការសម្រាប់ថ្ងៃនេះត្រឹមនេះសកម្មការលើកបន្តធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃអង្គារទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2015ចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង9ព្រឹកតទៅហើយសកម្មការនៅថ្ងៃស្អែកនេះអង្គជំរះនឹងធ្វើសកម្មការបន្តស្ដាប់សក្ខីកម្មសាស្ត្រីមាសកាលៃហួរហើយនឹងផ្ដើមស្ដាប់ដើមម្ដងរដ្ឋបាលនេះដែលមានហាជំនាញ ពី CCP 255នៅសូមភាគីជ្រាបនឹងអញ្ជើញចូលរួមតាមពេលវេលាបានកំណត់នេះអង្គជំរះអរគុណលោកស្រីមាសឡៃហួរដំណើរការសកម្មការស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់លោកស្រីក្នុងឋានៈជាសាក្សីនៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេអង្គជំរះក៏អញ្ជើញលោកស្រីឲ្យមកបន្តដល់សក្ខីកម្មថ្ងៃស្អែកទៀតដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង9ព្រឹកតទៅហើយអង្គជំរះក៏សូមអរគុណចំពោះលោកស្រីឆៃម៉ារីដែនបុគ្គលិកអង្គការ TVO
ហើយលោកស្រីអាចសម្រាកបានហើយហើយអង្គជំរះអញ្ជើញលោកស្រីមកបន្តចូលរួមនៅអង្គុយក្បែរសាក់សីនៅថ្ងៃស្អែកទៀតដែលនឹងចាប់ដើមពីម៉ោង 9 ព្រឹកទៅមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការរំលោភជាមួយនឹងបុគ្គលិកនៃអង្គភាពកងពារសាក់សីនិងអ្នកជំនាញក្នុងការជូនសាក់សីមាសថ្លៃហួរបើត្រឡប់ទៅកាន់ទីកន្លែងដែលគាត់ស្នាក់នៅវិញចុះនឹងសូមអញ្ជើញគាត់មកចូលរួមផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងសាមណការនេះនៅថ្ងៃស្អែកហើយបានមុនម